Bonjour à tous et bienvenue sur Usability. Aujourd'hui, nous allons voir comment jouer à Final Gear sur PC en utilisant le tout nouveau BlueStacks 5, qui est conçu pour une vitesse fulgurante et une action de haute intensité. Il est doté d'un punch avec des améliorations de performance méga et il a des performances plus rapides que tout autre appareil Android haut de gamme ou que toute autre plateforme Android. Plateforme Android. Nous pourrons facilement télécharger et installer Final Gear et profiter du jeu sur notre PC Windows avec un clavier, une souris et un grand écran grâce à BlueStacks 5, qui est l'émulateur Android que nous recommandons pour jouer à Final Gear. Alors sans plus attendre, passons à l'action. D'abord les amis, la première chose à réaliser est d'ouvrir notre navigateur Internet habituel. Nous avons ici celui que nous préférons. Rendons-nous à la prochaine URL que je surligne en vert. Vous pouvez la voir à l'écran. Vous n'aurez pas besoin de saisir quoi que ce soit, car il y a un lien cliquable dans la description sous cette vidéo et dans le tout premier commentaire épinglé. Nous sommes ici sur notre site internet de Usability, là où nous trouvons une documentation complète sur la façon de lancer le téléchargement de Final Gear sur un ordinateur. Nous descendons un peu et cliquons avec la souris sur l'option « Télécharger BlueStacks ». Après avoir cliqué sur le lien, nous arrivons ici sur le site internet de BlueStacks qui est bien entendu l'émulateur Android que nous allons utiliser pour jouer à Final Gear sur notre ordinateur Windows. Comme vous devriez le constater à l'écran, l'utilisation de cet émulateur Android apporte quantité d'avantages, contrôle personnalisé, instances multiples, synchronisation de ces instances, macro, script, FPS plus élevé, et bien plus encore. Il est grand temps de procéder au téléchargement de Final Gear en cliquant sur le bouton « Jouer sur BlueStacks » que j'ai mis en évidence en vert. Nous cliquons ensuite sur ce bouton. Sans surprise pour moi, le téléchargement démarre et se termine tout de suite et voilà, le téléchargement est fini. Il s'agit d'un fichier exécutable. Notre prochaine étape est de lancer l'installateur, donc nous allons cliquer sur notre fichier. Si nous avons un ordinateur fonctionnant sous Windows 10, il nous sera demandé la permission d'apporter des modifications au système. Nous devons accepter. Je réduis le navigateur pour mieux voir l'installateur. Ce programme d'installation est très sommaire. Il ne comprend que deux choix, installer et configurer le chemin. Je vous explique à quoi sert configurer le chemin. Il suffit de faire un clic dessus. Et en partant de là, nous voyons que nous avons ici le chemin exact où cet émulateur pour Android sera situé après installation. Si nous souhaitons modifier ce répertoire, nous devons faire un clic sur ce bouton, sélectionner le chemin, ensuite nous obtenons pour un tout autre répertoire et installons cet émulateur pour Android là où nous le souhaitons. Je conserve l'emplacement par défaut. Je clique ou double-clique sur Retour. Par conséquent, je clique ou double-clique sur Installer. Ça y est, ça démarre. L'installation a commencé puis elle va procéder au téléchargement de ces mégas que vous pouvez voir à l'écran. Lorsque vous le téléchargez, il y aura plus ou moins de MOS. La vitesse pour le téléchargement sera plus ou moins rapide, selon la qualité de l'Internet et de la rapidité des serveurs de notre émulateur. Aujourd'hui, c'est super rapide. Le téléchargement est terminé, et on passe maintenant à la phase d'installation. Avec BlueStacks 5, vous pouvez même réduire l'utilisation de la RAM en un seul clic. C'est particulièrement utile si vous rencontrez des problèmes de performance. En outre, vous pouvez activer le mode Echo pour profiter d'une utilisation du CPU réduite de 87%, d'une utilisation du GPU réduite de 97% et d'un multitâche plus facile. Comme vous pouvez le constater, BlueStacks 5 est conçu pour offrir stabilité et performance lors de longues sessions de jeu. L'installation est déjà terminée pour moi. Dès lors, notre émulateur a été lancé de lui-même. Si vous regardez attentivement, dans le bas de l'écran, on peut voir cette barre de progression qui va se remplir ensuite quand elle sera arrivée à la fin, notre émulateur sera lancé pour la première fois. En réalité, notre émulateur a déjà été lancé, le voici pour la toute première fois. Avant même de continuer, comme vous pouvez le voir, il a généré deux icônes ici sur le bureau de l'ordinateur. Le BlueStacks ainsi que le BlueStacks Multi-Instance. Vous verrez que l'icône BlueStacks est celle qui nous intéresse. À chaque fois que nous aurons besoin de démarrer Final Gear sur notre PC de bureau ou PC portable, nous ferons un clic sur cette icône et cela déclenchera cet émulateur pour Android. L'icône BlueStacks Multi-Instance vous permet de lancer plusieurs instances d'émulateurs. Et avec le nouveau gestionnaire Multi-Instance amélioré de BlueStacks 5 en mode écho, les joueurs peuvent exécuter plus d'instances de jeu plus rapidement et avec moins de lag. Sans plus tarder, passons à l'étape suivante, qui est indispensable, il s'agit de l'accès au Google Play Store. De plus, nous devons cliquer sur Google Play Store. Comme vous l'avez vu, le Google Play est bien entendu lancé. À compter de maintenant, nous devons nous identifier. À présent que nous sommes ici, nous sommes tenus de faire la phase suivante qui est inévitable. Par conséquent, nous cliquons ou double-cliquons sur Connexion. À ce stade, il annonce « Check-in info ».
Il arrive parfois que ça reste figé à cette étape et donc que cela n'avance plus. Si c'est le cas, vous pouvez essayer de vous reconnecter dans plusieurs heures, ainsi le souci sera vraisemblablement résolu. À ce stade, nous allons entrer notre adresse email puis le mot de passe correspondant. Cette adresse email sera obligatoirement un email Gmail et son mot de passe qui lui correspond. En outre, vous pouvez employer exactement la même adresse mail que celle que dont vous vous servez en ce moment pour accéder à votre compte YouTube. Aussi, je vais donc saisir mes emails et mots de passe et je reviendrai ici dès que je l'aurai fait. Et voilà, les données ont été entrées. Maintenant Google le géant nous accueille et nous invite à lire les conditions d'utilisation. Nous allons les accepter en cliquant gauche sur le choix « J'accepte ». Puis, il nous invite à conserver nos sauvegardes sur le cloud. Vous pouvez très bien laisser cette petite case cochée aussi, cela créera une sauvegarde des données de cet appareil dans le cloud de Google. Pour ma part, je ne vais pas la cocher, vous pouvez faire ce que vous voulez. On double-clique simplement sur « J'accepte ». Google Play Store, anciennement appelé Android Market, est lancé par défaut et sans intervention de notre part. Dans le but d'installer le jeu ou une toute autre application Android, il nous faut aller sur le bureau de notre émulateur en cliquant ou double-cliquant sur l'icône mise en Surbrillance avec du vert. Puisque que nous sommes sur le bureau de l'émulateur, nous pouvons voir que nous pouvons utiliser le bouton Installer le jeu. Nous cliquons une ou deux fois sur ce bouton visible à l'écran. Juste ici, nous avons trouvé le jeu. Donc cliquons avec la souris ici sur ce bouton Installer que je mets maintenant en vert. Alors l'installation va débuter. À partir de maintenant, l'émulateur va récupérer l'application et lancer l'install du jeu. Cela peut sembler interminable ou être vraiment rapide. Cela dépendra du type de connexion Internet. Ça y est, notre install est déjà terminé. À ce stade, allons sur le bureau de l'émulateur en double-cliquant sur le bouton que je surligne avec du vert, dans le but de lancer Final Gear pour la première fois. Nous voici déjà sur le bureau de l'émulateur, et nous sommes sur le point de cliquer avec notre souris sur cette nouvelle icône de l'app Final Gear qui a été générée. Notre jeu est lancé pour la première fois. C'est cool, je peux cliquer avec notre souris n'importe où sur mon écran mais également aussi utiliser le clavier. Je vous montre le volume de l'émulateur. C'est ici même. Nous découvrons ensemble l'icône d'amplification du volume et l'icône de diminution du volume, ainsi nous ne dépendrons pas du volume de notre machine sous Windows pour amplifier ou mettre en sourdine l'audio de cet émulateur pour Android. Ensuite, pour profiter au maximum de l'expérience, nous avons la possibilité de lancer l'application de jeu sur le moniteur externe ou écran d'ordinateur. Pour y arriver, nous avons deux options. Voilà la première fois où nous double-cliquons sur cette icône que je vous montre avec du vert. Ensuite maximisons l'écran, en affichant une bordure tout en haut, une à droite et une en bas. Quand on souhaite profiter du jeu ou une toute autre appli Android mode plein écran, on clique ou double-clique sur l'icône que vous voyez à l'écran. Et là nous aurions la possibilité de profiter du jeu en plein écran. Pour repartir du mode plein écran, pressez simplement sur la touche F11. Ensuite nous serions de retour en mode écran habituel. Laissez-moi maintenant vous expliquer le mapping du clavier qui est très fascinant. Ainsi, nous serons en mesure d'utiliser le jeu bien plus commodément. La première chose à effectuer consiste à cliquer un ou deux fois sur l'icône de clavier. Et à cet endroit, vous pourrez effectuer les réglages utiles. Je choisis la configuration de base, néanmoins si vous désirez la modifier, vous pourrez le faire sans difficulté. Comme vous l'avez sans doute vu, l'émulateur est complètement traduit dans notre langue. Il se peut de temps à autre que notre émulateur soit lancé dans la mauvaise langue, comme par exemple en russe. Donc pour le charger dans la bonne langue, nous nous retournons à cet emplacement sur la roue dentée. Après ici, dans autres paramètres, nous cliquons ou double-cliquons sur le menu déroulant « Langue ». Nous pouvons sélectionner la langue que nous comprenons parfaitement, français, anglais, chinois, etc. Une fois la langue modifiée, c'est le moment de sauvegarder, notre émulateur redémarre et notre jeu, la toute prochaine fois que nous le démarrerons, affichera également la langue de notre choix. À présent, il y a un autre détail dont nous devons également tenir compte. Il s'agit d'un email nous informant qu'un nouvel appareil a été connecté à notre compte Google. Il nous demandera si nous sommes à l'origine de cette connexion de l'appareil. Effectivement, c'est bien le cas, pas la peine de stresser, car en effet, cet émulateur pour Android simule un appareil Android. Et pour savoir quel appareil est émulé, allons à cet endroit, à la roue dentée et cliquons une ou deux fois dessus. Regardons juste ici à l'option « Modèle ». Et ici nous voyons que l'émulateur Android reproduit le comportement d'un smartphone de la marque Samsung. Par conséquent, nous recevrons un mail indiquant qu'un nouvel appareil Samsung a été connecté à notre compte Google. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo tutoriel les amis. J'espère qu'il vous a plu, et mieux encore que vous l'avez trouvé précieux. Si c'est le cas, donnez-lui un bon « like », abonnez-vous, et si vous avez des commentaires, des questions ou bien des suggestions à faire, n'hésitez pas à les publier dans la boîte de commentaires ci-dessous.
Vous pouvez également commenter ce que vous avez aimé ou pas sur ma chaîne Twitch, je réalise des live streams de temps à autre, vous l'avez ci-dessous dans la description de cette vidéo tutoriel et dans le tout premier commentaire permanent. Cliquez ou double-cliquez sur l'une de ces vidéos qui s'affiche sur votre écran et on se retrouve dans mes prochaines vidéos. Ciao.